Lundi 11 juin 2018, la compagnie des bateaux mouches en association avec Bobool organisait la soirée de lancement de l'opération Pétanque sur Seine, à Paris. Un événement auquel ont pris part plusieurs personnalités, comme Cécile de Ménigueux et Emmanuel Boisbron. À lire aussi, Al Pacino célèbre ses 77 ans, une main sur le sein de sa jeune chérie en bikini, Michel Gregorio et sa chérie, soirée sportive pour le Noble Art Club Laetitia Casta seins nus, la chérie de Louis Garrel célèbre l'amour à sa manière. L'animatrice et comédienne, ancienne chroniqueuse de la méthode Coé, a pris la pause avec plaisir aux côtés de son amoureux Thierry. Cécile de Ménibu, très à l'aise sur la piste de pétanque, a pu croiser l'actrice Emmanuel Boisbron venue avec son mari Antoine Jacouteau. Il fallait aussi compter sur Stéphanie Fubin, Marc Gurin, Brillant Or, Régène Lacoste, Marie Ménager, l'organisatrice de cette belle opération, Yves Bougenat, Thibault Sinclair, Anthony Dupré, Laurence Roustanger ou encore Dounia Coezan, Philippe Carrois, Grégory Baclian. L'événement Pétanque sur Seine, qui débute officiellement le 5 juillet prochain, ouvrira ainsi la saison de la pétanque à Paris en investissant le roveteau du bateau, le Zouaf, transformé spécialement en jardin méditerranéen. Les amateurs pourront embarquer au pied du pont de l'Almaé. Au cours de la promenade sur la Seine, ils auront droit à de superbes vues de la ville, que ce soit sur la Tour Eiffel, Notre-Dame, l'Assemblée nationale ou encore le pont Alexandre III. Outre les pistes de pétanque, ils pourront aussi se déhancher sur des DJ et trinquer avec des cocktails signés Monsieur Mouche. Thomas Montet.